Je suis l'artiste Bazungula Binango Maurice. J'avais commencé ma carrière de la peinture en 1966. Des débuts, je suis l'artiste autodidacte. J'ai pris ma formation à quelques mois dans un atelier d'un artiste paysagiste qui s'appelle Balajan. Après avoir resté avec lui, et moi-même je commençais déjà à peindre. D'où cela m'a donné l'occasion, en 1967, de participer à une exposition collective organisée par le ministère de la Culture et Art, auquel m'a donné droit à un prix d'encouragement qui a fait qu'on puisse continuer. En 1968, un peintre, un grand peintre aussi, autodidacte, m'a appelé de travailler avec lui dans son atelier qui s'appelait Koussou Felelo. En travaillant avec lui, nous avons organisé une exposition collective au Collège Boboto. Collège a libéré à ce moment-là. Et cette exposition a été inaugurée le 31 décembre 1968. En 1969, personnellement, j'avais organisé une exposition au club des professeurs à Louvagnon. En 1969, un collectionneur de la place, qui avait aussi beaucoup d'artistes, il m'a appelé de travailler à son atelier. C'était M. Maurice Aladef. Jusqu'à nous sommes arrivés jusqu'à la fin de sa mort, parce que Aladef Maurice est mort en 1972. Auquel nous avons mis fin à la carrière. En 1985, un organisme COE, Centre d'orientation éducative, ce sont des Italiens qui nous a pris en charge. Et alors, en 1996, il m'a invité d'aller exposer en Italie. Tout justement à Milan, Rome et Baccio. Alors, avant ça, nos œuvres ont été collectionnées. Où il y a eu beaucoup d'expositions parce que nous avons aujourd'hui avec des catalogues par-ci par-là. Alors, en 2006, j'ai organisé une exposition à Halle de la Gombe. En 2007, nous avons participé à une exposition collective à Halle de la Gombe, salon de novembre. Et aujourd'hui, je collabore avec M. Bill Bertrand, qui est aussi un grand, auquel j'avais connu depuis dans les années 75, à l'intermédiaire d'un ami, M. Bob, qui m'avait mis en relais avec M. Bertrand. Et alors, M. Bertrand, c'est celui qui est avec nous, ensemble. Ce que je pouvais dire sans aller trop en détail.